Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing avec la boutique Colorful DIY. Aujourd'hui je vais vous présenter de la broderie, un article de broderie et des articles de DP. Ça va être des DIY en diamond painting. Je vais me mettre tout de suite face bureau pour pouvoir vous présenter tout ça. Alors voilà. Donc, du DP et de la broderie. La broderie, je vous la montre après. Je vous montre en premier le DP. Alors, je vais commencer par ça. Ça, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'avais choisi un autre article et peut-être qu'il était en rupture. Et du coup, ils m'ont mis cet article à la place. C'est gentil de leur part. Alors, je pense que c'est un petit dessous de verre, voilà, en forme de Mickey, enfin de mini plutôt, vous voyez, c'est du bois. Et donc, oui, c'est un petit dessous de verre, voilà. Alors, je vous montre ce qu'il y a dans ce kit. Alors, du coup, je regarderai sur le site si je trouve le prix, parce que là, du coup, je ne l'ai pas. Voilà, un petit toolkit, hein, comme d'habitude. Et on va avoir des strass. Alors, ben, je n'ai pas besoin de déballer puisqu'il n'y a que 4 couleurs. Alors, 1, 2, 3 couleurs. Donc, les premières couleurs, ben voilà, ça va être du bleu et du rouge. Et après, vous avez, oh là là, avec le flash, c'est compliqué. Voilà. Et vous avez du jaune. Voilà. Donc, 3 couleurs. Donc, c'est le petit truc qui va aller vite à faire. Va être sympa également. Alors, vous avez une petite pellicule de protection au-dessus. Je vais pas l'enlever là maintenant, mais vous la retirez et vous avez la colle en dessous. Donc, ce genre d'article, par contre, quand vous l'avez terminé, pensez à le vernir avec un vernis colle genre Cléopâtre. Voilà, pour que les perles tiennent bien à l'usage. Voilà. Très mignon. Merci beaucoup. Donc, c'est un petit truc que je ferai peut-être dans la semaine, ça, je verrai. Alors, ici, c'est quoi? Je me rappelle plus. Ah oui. Petit marque-page. Donc, on va avoir aussi le petit toolkit. Voilà, avec la petite pince noire, mais c'est celle en plastique, donc pas grand intérêt. Et on va avoir un marque-page comme ceci, avec des hiboux, en simili-cuir. Voilà, vous voyez, c'est... Donc, il est un petit peu souple, mais juste ce qu'il faut. Donc, ils sont très jolis. Alors, il n'y a que le tout petit, là, en haut, qui n'est pas à faire, mais il faudra faire la branche qui est là. Pour le décorer, vous allez avoir un pompon. Ici, on remet le flash, est-ce que ça va? Oui, voilà. Un petit pompon marron avec un... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, attendez, je vais essayer de grossir. Voilà. Avec une fleur en haut, en résine. Très joli le pompon. Des petites perles. Pardon. Et bien sûr, on va avoir des strass. Alors, j'aime bien aussi ce genre de petites choses. C'est mignon, c'est rapide à faire, ça change. Quand vous voulez faire des petits cadeaux. Alors, voilà, des strass verts, des oranges, des bleus plus foncés, des roses fuchsia. Hop, attendez. Voilà. Alors, ceux-là, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu qu'une fois, je crois. Voilà, mais ils sont très, très beaux. Là, des petites gouttes d'eau. Et là, des yeux de chat.
Voilà, bleu. Donc, encore un beau petit DIY à faire entre deux, voilà, et qui sera très sympa à faire. Alors, ça, le marque-page, en plus, c'est pas cher, $2,99. Voilà. Hop, on va mettre ça dedans. Ici, alors, oh, pardon, j'ai oublié de vous dézoomer. C'est du Diamond Painting, mais ce n'est pas un DP, malgré la grandeur de la pochette. Alors, ici, il y a beaucoup de choses dedans. Hop, on va tout vider sans rien perdre. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, je crois que tout est sorti. Oui. Alors, vous allez avoir d'abord le petit toolkit. Voilà, les strass, ça, je vais vous le montrer. Vous avez des baguettes. Hop, ce ne sont pas des baguettes chinoises. Waouh, le jeu de mots. Lundi matin, comme ça, de bonne heure. Donc, des baguettes en bois. Elles mesurent à peu près, je ne sais pas, 30 cm. Voilà, donc vous en avez 8. Je vais remettre au fur et à mesure dans le sachet pour rien perdre. Vous avez des ventouses. Donc, pareil, vous en avez 8. Voilà. Donc, ce sont... Par contre, ça sent, hein, la ventouse. Ça sent le plastique. Alors, vous avez un petit trou ici. Voilà. Ben, du coup, je vais sortir une baguette parce que j'aurai besoin de vous montrer. Et la baguette va s'enfiler, hop, comme ceci. Voilà. Alors, vous avez aussi un trou là, mais ouais, si vous pouvez vous en servir comme ça aussi. Mais dans ce cas-là, ce serait pour mettre votre truc droit, comme ça. Voilà. Mais dans la présentation sur le site, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez... Alors là, il y en a bien 8. Hein. Ah, voilà. Je croyais en avoir perdu. Des petits ronds de mousse comme ça. Donc, ils sont autocollants. Des deux côtés, bon, je vais pas, voilà, vous voyez, voilà, là c'est autocollant et c'est autocollant des deux côtés. Alors, là-bas, je savais pas pourquoi c'était fait, mais en réfléchissant, vous allez le coller sur la ventouse, voilà, c'est pour que ça, parce que vous pourriez mettre la ventouse sur l'article que je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, ce sont des papillons. Mais je pense que par prudence, il est mieux de mettre un double face. Puisque là, vous voyez, si on fait la ventouse, oh, ça tient quand même. Mais bon, vous faites comme vous souhaitez. Mais je pense qu'il est plus prudent de coller. À la base, ces petits DIY sont faits pour mettre dans des plantes. Voilà, dans des plantes vertes. Mais vous pouvez les mettre où vous voulez. Hein, voilà. Mais à la base, ce sont pour mettre dans les plantes vertes. Et moi, comme j'ai beaucoup de plantes... Oh non! La perceuse. Allez, je vous montre... Alors, voilà, un premier papillon. Donc, c'est que d'un côté. Hein. Un deuxième. Ils sont tous différents, normalement. Troisième. Quatrième. Quatrième.
Cinquième. Sixième. Hop, il veut pas celui-là. Septième. Et le petit dernier. Voilà. Oh, la ferme, les mecs. Alors, et pour faire, je vous ai dit, je remets toujours le sachet pour rien perdre. On a les strass. Donc, en tout, on a combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 couleurs. Alors, des blancs. Attendez, hop, on va zoomer. Voilà. Des noirs. Des jaunes. Ocre. Ocre un peu plus foncé. Des bleus. Des turquoises. Des autres, c'est les mêmes. Non, ça doit être les mêmes. Des fuchsia, des roses plus claires, des roses beaucoup plus claires encore, des jaunes. Là, des, ouais, genre un peu ocre. Voilà, là, des plus foncés, des violets, ils sont très beaux, des verts. Et des verts clairs. Voilà. Quand je les ai vus, ça m'a tapé. En plus, vous savez que j'aime beaucoup les papillons. J'aime beaucoup les plantes. Donc, j'ai associé les deux. Et je me suis dit, ça, c'est pour moi. Voilà. Pour une fois, j'ai pas pris de DP pour chouchou. Un petit peu pour moi, de temps en temps. Voilà. Alors, les petits papillons, ils sont au prix de 11,99 $. Voilà. Et pour terminer, alors, ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil. Voilà. Pseudo Joy Sunday. Ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil. J'ai vu quelqu'un qui le faisait dans les youtubeuses, mais j'ai oublié. Je ne sais plus qui c'est. Et bon. Normalement, c'est de l'estampé, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est de l'estampé. Mais bon, on verra bien. On peut toujours la refaire sur une toile, une autre toile. Hein. Ou la faire sur une toile de fond noir, pourquoi pas. Alors, on a... 16 couleurs, c'est ça? Ouais. On n'a pas beaucoup de couleurs, vous voyez. 16. Que de la croix. Donc, c'est bien. C'est assez bloc. Voilà, il n'y a pas de confetti. Mais bon, il y a tout le fond noir à faire. Mais bon, ça va, il n'est pas énorme. Hein. Donc, ah, je l'ai à l'envers, là. Pardon, c'est dans ce sens-là. Je me disais, les chiffres, ils sont pas à l'endroit. Voilà. Donc, c'est assez bloc. Il n'y a pas de soucis. On a les deux petites aiguilles. Voilà. Et voilà les couleurs. Donc, ça va être des couleurs un petit peu assez pétantes hein, quand même. Oh, il est beau, c'est violet. Et là, il y a un faux blanc. Donc, c'est les plaquettes qu'on aime bien, hein, avec le numéro, la couleur, la référence DMC et le nombre de fils dont on a besoin pour faire cette broderie. Donc, c'est pas une très grande broderie. Elle fait 28 sur 34 en toile complète. La toile est souple, vous voyez, et elle est, il veut pas,
Il veut pas. Bon, elle est surjetée. Voilà. Je sais pas, il veut pas. Mais elle est surjetée. Donc voilà, je vous mets ma main pour que vous voyez à peu près la grandeur. Vous voyez, donc c'est une belle taille. Il n'y a pas de, je vous dis, pas de confetti. C'est une toile qui va se faire assez facilement. Voilà. Avec des fleurs un peu psychédéliques. vous allez retrouver ici en bas la légende. Donc, faites bien attention, la légende qui est là, c'est celle de la toile. La légende qui est sur le patron papier, c'est celle du patron papier, hein. Niveau impression, bah, de toute façon, c'est du Dieu et Sandé, donc il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Oh, elle est bien. Vous voyez, il n'y a pas de confetti. Alors, cette petite toile, elle est au prix de 5,99 $. Donc, voilà, pas très cher, qui va être assez rapide à faire. Donc, voilà. Ben, je vous remercie beaucoup, la boutique Colorful DIY. J'espère que les articles que je vous ai présentés vous plaisent, hein, surtout pour ce qui est Diamond Painting. Ça change un peu. Excusez-moi. dites-moi si vous avez déjà fait cette broderie-là ou pas. Alors, j'ai fait les recherches, hein, sur Google, comme je fais d'habitude. J'ai rien trouvé. Donc j'espère ne pas avoir fait d'impair, mais voilà. Donc s'il y a un souci, dites-le-moi. Mais je vous dis, moi j'ai rien trouvé. Je vais vous remercier tous également pour la fidélité que vous avez sur ma chaîne. Je vais vous faire plein de gros bisous. Voilà. Et en attendant, nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt! Bisous, bisous!